sais, j'étais allé en musique au secondaire. Et puis, ben, j'avais fait mes 5 années de secondaire en musique. J'ai fait une année en sciences pures. Parce que, tu sais, la semaine de la musique, ça pouvait être un petit peu épeurant. J'ai décidé de lâcher ça, je voyais que c'était vraiment pas pour moi. Puis là, ben, j'ai pu poursuivre ma passion en musique. Moi, je suis allé à Marie-Victorin dans les années 2000. C'était le Big Band qui m'avait amené à aller à Marie-Victorin. Le Big Band qui était reconnu comme un des meilleurs Big Bands de cégep au Québec. On allait voir Marie-Victorin dans le Festival des Harmonies, dans les concours, dans ces choses-là. Puis c'était toujours flamboyant, etc. Et puis c'est ça qui m'avait attiré à aller voir Marie-Victorin. Moi, c'était mes profs privés. J'ai eu la chance d'avoir Patrice Richer comme professeur de trombone. C'est un des héros musicaux. C'est mon grand ami, et puis il m'a tellement apporté beaucoup. Ça et le Big Band, bien évidemment, le fait de pouvoir être mis en vedette avec le band. Maintenant, je suis musicien, je suis tromboniste, je suis compositeur, je suis arrangeur. En ce moment, je suis aussi directeur musical de l'Orchestre national de jazz. J'ai mes propres projets, je charge des cours à l'Université de Montréal, je charge des cours à l'Université de McGill aussi. J'enseigne la composition, l'arrangement, je dirige des ensembles, j'enseigne le trombone aussi, le trombone jazz. Et puis, je donne des cours sur tous les niveaux, jusqu'à la maîtrise. Et puis, j'enseigne aussi à différents types d'instruments, la composition, mais aussi l'ergonomie. D'être créatif puis de rester intègre artistiquement. C'est une période qui est un petit peu plus difficile. Il y a moins de travail, il y a moins d'exposure, comme on appelle. Par contre, l'art est toujours là. Fait qu'on peut peut-être être découragé parfois par les perspectives de l'emploi. Moi, je dirais de continuer à s'exprimer, de trouver toutes sortes de façons artistiques, musicales, d'exprimer qui on est, d'être très authentique et intégrateur. Et puis, on va pouvoir aller loin en pensant comme ça, selon moi.